Salut les stations, les bonnes sur 1351 à toi de la part de Nadi 33 et bonne journée également. Oui, affirmatif, département 33, les bonnes 73-51 à vous de la part de Nadi 33, secteur Saint-Émilion, Castillon-la-Bataille, plus précisément sur Sainte-Colombe. Non, Rémi. C'est Rémi, Roméo, Echo, Nike, Yankee, Rémi. Voilà, j'ai pas compris le QTH. Ouais, est-ce que tu peux passer sur le... Alors attends, le 18, le 175 en FM, ça marche mieux. Affirmatif, c'est parti. Voilà. Bon, là, je pense que là, ça doit pas mal marcher, là. Ok, alors, c'est Rémi, voilà. 73 Rémi, Daniel 92, secteur Miramont de Guyenne. Et tout dernièrement, nous avons eu l'occasion de nous rencontrer sur le parking de Leclerc de Castillon, Castillon, oui. Oui, c'est Castillon, oui. Voilà, tu vois qui c'est ? Ah oui, sous le parking du Leclerc là de Saint-Magne-Castillon, oui, j'ai pas rencontré grand monde là sur ce parking là au niveau station. Là, il y avait que deux voitures là ce jour-là. Mais oui, je me souviens très bien. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est ma femme qui m'a montré vos antennes. Que j'avais rencontré sur le parking du Leclerc à Castillon, voilà. Mais je me trouve, moi, sur le 47, là. Je suis au Clairin et je suis à proximité de la ville de Miramont de Guyenne. Voilà, assez surpris, parce que tous les matins, ben voilà, c'est sorti, on est un petit groupe, là. Un petit groupe de Noël, là. Oh, ça se joue à 2-3 personnes, hein. Maintenant, il y a... Ceux qui se lèvent tôt le matin, on les compte sur les doigts de la main. Bon, histoire de tenir un petit peu la jactance et puis de les habituer, le petit cuisson habituel, quoi, du matin. Voilà, j'ai rien dit, j'espère que tu vas bien. Il y a bien longtemps que je t'avais pas entendu. Oh, si je t'entends pas, je lis les écrits, donc, par le journal du Romain. Hein. Voilà, Rémi, à toi. Ok, bah, en ce qui concerne le journal du 11 mètres, ça doit bien faire un an que j'y suis plus. Par contre, tu peux avoir davantage de news en venant sur le forum Les Ondes du Routier. Là, oui, c'est là où je suis principalement. Ouais. Voilà. Disons que le journal du 11 mètres, on n'avait pas les mêmes points de vue. Moi, mon point de vue, c'est plutôt vers la Sibie. Chacun voit ça comme il veut, hein. Hachi, je vais pas épiloguer là-dessus, c'est pas la peine, ça sert à rien. Ben, je suis bien content de t'entendre aussi, parce que c'est vrai que là, quand même, c'est... Mais attends, département 47. Et, il n'y a pas longtemps, un soir, il me semble que j'ai dû t'attraper en fréquence. Et en FM, justement. De votre côté, ça partait pas mal en rigolade, d'ailleurs. Dis-moi, Rémi, est-ce qu'il y a possibilité de monter un tout petit peu les wah-watts, là, parce que c'est un peu léger, là. J'ai un QRM local, là, qui malheureusement, ça s'appelle le CPL, et il te broute un petit peu la modulation. Est-ce que tu peux augmenter peut-être 5 watts, 5 à 10 watts, si c'est possible? Ben ça y est, voilà, là ça devrait aller mieux, là je pense, il devrait y avoir un peu plus de confort. Bon, sinon, tu bouges pas, moi je change de poste. Ah zut. Je change de poste et je te rappelle, ok? Attends, bouge pas, j'ai oublié un détail. Attends, ne bouge pas, je règle ça de suite, je pense que tu devrais m'entendre beaucoup mieux. Effectivement, je suis en puissance minimum, je règle ça de suite. Toi-même, que tu es fait quelque chose, tu le CPL.
passe, parce que je suis avec un 40 canaux là, à MFM. Je vais passer sur un autre appareil et puis on fera la BLU. Je pense que je vais pouvoir te détecter un petit peu mieux en mode bande latérale. Alors tu restes en stand-by dès que je te rappelle. Ok, bon, là, est-ce que ça va mieux, là? Là, je pense que ça devrait pousser, là, quand même, là. Ah oui, bah là, oui, là, voilà, 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 bah oui, 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 là, c'est très bien, là, oui, 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 ah bah alors, j'ai pas besoin de tourner de poste, là. Hachi, comment je vais te dire ça? Disons que au niveau du poste, là j'étais en 1 watt. Mais bon, évidemment, il y a quelque chose derrière. Et j'ai la chaudière qui est là, oui, qui a besoin de. Voilà, j'ai mis la ventilation en route quand même. Et donc autrement dit, dans la chaudière que j'ai derrière, le minimum pour entrer c'est 1 watt et du coup j'avais un petit peu de mal à le faire décoller. C'est normal. Là, ce coup-ci, je suis en 4 watts au niveau du poste. Donc derrière, forcément, ça sort un peu plus. Ouais, ok. Ben moi, j'ai 50 watts. Hein. Voilà, j'ai 50 watts. Avec le 40 canaux, là. À MFN, c'est un président Valérie. Et bon, ben, il y a une petite boîte, complémentaire hein, pour aller un peu plus loin, quand même. Voilà. Bon, sinon, les petits premiers temps, c'est bien passé. J'ai eu l'occasion d'être un petit peu dans mon secteur, là-bas, en plein jour, hein, pas le soir. J'ai perdu l'habitude de faire ça là, le soir, la nuit de Noël, la nuit de premier de l'an, tout ça. Bon, on fait tout ça le jour, et puis quand on rentre, on est frais dispo et on a toujours le permis de conduire en poche. Voilà, mais sinon il y a pour Noël, j'étais à côté de Castillon, voilà, chez le frangin. Voilà, je suis en train maintenant de le sortir là. Voilà, sinon bah rien de plus, je suis en grand. Ok, attends que je regarde ça. Ouais, j'ai un peu plus que toi là quand même là. Mais bon, ça va, ça reste raisonnable. Je pourrais monter encore un peu, mais bon, tu m'entends bien, donc c'est pas la peine, ça suffit largement. Moi pour les fêtes, j'étais au pro. Voilà, tout simplement. Aussi bien pour Noël que pour le premier de l'an. Ouais, je pense que bon, connaissant peut-être un peu le pro, donc ça a été peut-être d'activité professionnelle à ce moment-là, non? Ah ben, je suis agent de sécurité, alors forcément, quand les uns s'amusent, les autres bossent. Hein. Ben, j'ai connu ça aussi, hein, pour les copains qui étaient en famille, qui étaient en couple avec des enfants, donc les jours de Noël, ou pour des gens, ou les filles, ou... Ouais, c'est à chaque fois, bon, ben voilà, quoi. Enfin, ils nous rendaient une journée dans la semaine qui suivait après, dans le mois de janvier, ils faisaient une vacation supplémentaire pour le remerciement de l'avoir remplacé à cette période-là. Voilà, bon, c'est pareil, moi j'ai donné là-dedans, mais j'ai arrêté parce que c'est un peu con, et puis c'est pas à 50 ans qu'il faut commencer à travailler les nuits et tout ça, donc j'ai arrêté dans le métier parce que ça tient par vent, et puis c'est instable, c'est très instable comme planning, syndicalement parlant, on n'est pas très bien défendu, hein, donc... bon, allez, on se tourne sur un autre sujet de professionnel, et maintenant, j'attends que les places se libèrent pour entrer, et puis, je vais me tourner sur de la maintenance informatique que je faisais déjà il y a vraiment plus d'une dizaine d'années. Je faisais déjà ça, donc je vais retourner là-dedans, et puis voilà. Bon, important, rien de plus. Ok, merci pour le retour du micro. Ok, d'accord, c'est pas mal tout ça, hein. C'est pas mal. Tu vois, là, je suis rentré du pro, là, il n'y a pas longtemps. Là, j'ai débauché à 6 heures, le temps de rentrer. Là, j'étais en train de bricoler un petit peu, là, avant d'aller au 144, quand je t'ai entendu sur le 19, quoi.
Voilà. En tout cas, ça passe bien ce matin, mais tu es plutôt vers le nord-est du département 47, c'est bien ça, là. Donc, t'es pas très très loin de moi, en fin de compte. À proximité de la ville de Miremont-de-Cuyenne. C'est carrément le dernier village, Miremont-de-Cuyenne, c'est le dernier village classiquement du nord du Lot-et-Garonne. Et après, on passe dans le département 24. Je suis à la borne, ouais, à 3 km à la borne, séparation des départements 47-24. Voilà. Et après, la ville d'à côté, c'est la ville de Eymé, direction Berlange. Voilà, là où est passé dernièrement le Tour de France. Voilà, oui, parce que vu à cette heure-ci encore, on a la chance de s'entendre correctement, mais d'ici 10 minutes, un quart d'heure, ça risque d'être très difficile, parce que les pays de l'Est vont allumer le 20-20, là, le standard, et puis quand le standard est allumé, après c'est les barbus et les mal rangés là, qui arrivent à Tauberzin, là aussi, à 8h, et mon voisin qui se trouve à 3 km, ben, je l'entends plus. Il est bouffé par toute cette pollution, entre guillemets, des pays de l'Est, et puis les barbus et les mal rangés. Voilà. Même avec une centaine de watts, on n'arrive même pas à s'entendre. Donc ça devient extrêmement difficile de faire de pratiquer les 27 mégas à partir de 8h le matin. À toi. Ouais, d'accord. Mais un peu plus tard dans la journée, moi c'est plutôt les Américains là qui m'arrivent. Remarque, vu mon orientation là ici là, je suis orienté plein ouest sud-ouest. Donc c'est le meilleur dégagement que j'ai. Donc j'ai les Américains, ouais, qui m'arrivent plein pour en AM. Par contre en BLU le matin vers les 10h par là, je peux attraper la Nouvelle-Calédonie. Après l'après-midi, c'est le Québec là qui passe là tous les jours. Là c'est bien sympa quoi. Mais c'est vrai que dès que la propagande BLU est là, au niveau de l'AM, c'est la cacophonie, là c'est plus la peine quoi. Depuis un certain temps, la bande des 40 canaux, elle est utilisée avec des relais écoliques. T'as pas remarqué ça? Ah si? Si, justement, hier j'étais un peu, enfin je suis parti assez tôt hier, je suis parti sur les coups de 14h là hier, je suis allé à Radio 33, là-bas à Cestas Canéjean, pour porter là, mon autre poste, là, mon décal que j'ai mis en réparation, plus je vais m'acheter en même temps une autre alimentation, là une 50 ampères. Et ouais, j'ai remarqué ça effectivement là sur la route, hein, qu'il y a une espèce de balise là qui passe, là ininterrompue, là qui passe comme ça, là qui balaye un peu de ça. Je sais pas ce que c'est. Tu sais d'où ça vient? Ben, ça vient des pays de l'Est, hein. Ouais. Ce sont des systèmes qui sont faits pour les professionnels de la route de là-bas, hein, que ce soit les taxis ou les machins. Et alors attends, je vais t'expliquer, il y a trois relais écoliques sur le canal 19, hein. ils se suivent, parce que moi je suis très souvent sur le 19, mais d'abord ils sont en bas des femmes. Alors, il y en a un qui prend, alors moi je suis en mode FM, et le écolink il est en AM, mais il a une modulation, ce qu'on appelle une modulation large, c'est-à-dire qu'il prend aussi bien le mode FM que le mode AM. Donc je te dis pas le système, hein, c'est pas de la phobie, hein, c'est du matos professionnel qui est installé sur cette structure, et ça marche 24 heures sur 24, je dis bien 24 heures sur 24 que ça tourne, et puis alors c'est allumé, ça s'allume, ça s'éteint, ça veut dire que ça s'enclenche, ça s'éteint, ça se renclenche, bon voilà, il y a pas, alors des fois il y a un cuisseau et voilà, et puis après il y en a un autre derrière, quand le premier bien pris, le deuxième est derrière, mais après moi je les entends en dégression, c'est-à-dire que de plus en plus loin, ça vient du pays de l'Est, et il y en a un deuxième aussi sur le canal 20, canal 20, il est en, lui par contre il est en mode FM, et c'est pareil, hein. Alors par contre celui-là il est un peu particulier parce que tu lances ton message, tu attends, et il te le renvoie.
et il y a un laps de temps, et c'est pas un stand presque instantané comme sur le canal 19. Celui du canal 19, lui, tu balances ton message et tu le renvoies tout de suite. Et sur le canal 20, lui, t'as un laps de temps entre l'émission et la restitution du message. Après, il y en a un autre sur canal 5, il y en a un autre sur le canal 5, il y en a un autre sur le 35, il y en a un peu partout, hein. Je les entends pas tous, et il y en a qui sont décalés en fréquence sur le 250, je sais qu'il y en avait un sur le 250, le 400, le 410 aussi, il y en a un sur le 410. Moi je pense qu'il doit y en avoir un peu partout sur les 40 canaux déjà, et puis voilà, ouais, c'est la pollution assurée là, hein, ok. Ah oui, effectivement, mais ah ben non, puis en plus la Russie fait pas partie de l'Europe. J'allais dire, sur le point de vue légal, au niveau de l'Europe, j'allais dire comme ça, mais il n'y a pas moyen de faire bouger un peu les fédérations et tout, là, pour essayer de faire stopper ça. Mais non, parce que déjà c'est en dehors de la zone Europe, et puis je crois qu'ils font un peu ce qu'ils veulent, hein. C'est hélas. C'est là qu'on arrive à pester un petit peu pour le coup la propagation. Ouais, ouais, après quand la propague elle est qu'elle est, moi je n'entends pas, ils dérangent pas. Parce que je te signale que le relais les colis du canal des Alpes, moi je leur reçois plus 20, plus 30, hein. Que ce soit avec le DK ou avec le CD, c'est plus 20, plus 30, hein, par moment. Hein. Ah quand même. Ah non, 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 j'en suis loin, moi, de ça, moi. Ah non, mais attends, si tu as fait une observation parce que tu es allé à Bordeaux, moi, ici, dans la localité, là, quand je vais faire mes courses et tout ça, moi, je suis en stand-by dessus, aussi bien avec une petite antenne qui mesure 20 cm, on l'entend, le 20-20. Je te dis que c'est pas des poches de civils, hein, qu'il y a là-bas, hein, c'est dans des structures professionnelles. Je sais pas ce que c'est, mais enfin, prenons un exemple, hein, du moto Rolla, qui pourrait être chez nous, et puis ça marche très très bien. Hein. Ouais, 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 je comprends bien, oui. Putain, mais ah, c'est dommage que là, au niveau réglementation et tout, il n'y a pas moyen de faire quelque chose, hein, qu'on retrouve la fréquence propre. Hein. Hélas, c'est je sais pas, mais c'est ça leur sert à quoi là de faire ça? Parce que bon, la CB, c'est pourtant bien connu, hein, c'est la bande des citoyens, ça, donc c'est notre cours de récréation en même temps, quoi. Eux, ils font ça à but professionnel. Il y a d'autres fréquences quand même. Hein. Ah ben, pourquoi ils se... Et puis là, je te dirais, ils se gêneraient, hein, les gars, là, s'ils voulaient. Hein. Parce qu'après, dans les intérieurs, j'ai remarqué, dans les intérieurs, il n'y en a pas. Mais après, ça, c'est les Allemands, là. Après, ils ont leur truc à eux. Et c'est pas un tempestif comme ça l'est sur le 19, tu vois. Non, c'est bien géré, tu vois. Et après, dans les sous-inf, de 26 mégas, de 26 à 20, ouais, de 26 à 20, 26 500, là, c'est pareil. Bon, il y a les taxis russes, il y a tout ça, là. Et puis, mais il n'y a pas ce système-là. C'est marrant parce qu'on les retrouve que sur la portion des 40 canons. Ça déborde un petit peu, puisqu'il y en a un sur le 410, 415, il me semble. Et puis ça arrive très fort, quoi. Puis après ils sont décalés en fréquence, hein, et ils ont des décalages, hein. Ils ont des décalages en fréquence. Sur le 250, il y en a un. Puis après, mais attends, hein, il n'y a pas que le système professionnel, hein, il y a les radios amateurs russes aussi, hein. Quand ils sont sur le 27-200, là, un petit peu en dessous, 190, là, je te dis qu'ils bombardent, hein, les cochons, hein, ils ont pas 4 watts, hein, ça c'est pas vrai, hein, faudra pas me faire gober, faudra pas me faire gober qu'ils aient gagnent, les gars, hein. Alors Marc, nous non plus, là, on n'a pas 4 watts, hein. Non, d'accord, enfin, bon, là, on voilà, mais après,
pour faire un cuisson local, parce que eux, là-bas, ils se communiquent entre eux, c'est du local, c'est ensemble. Puis d'abord, tu l'entends derrière, t'entends le clic, 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 clic. Ah tiens, voilà, bon, ben il y a la marmite qui est derrière, quoi. Voilà, bon. Mais là, ça gêne pas, tu vois, ça gêne pas. Propagation étant ouverte, tout ça, ça va. Et après, ouais, non. Ça devient le 19 à partir de 8h, hein, c'est infernal, hein, moi j'ai ça, hein, j'ai fait mon créneau du matin, ça j'ai ça, hein, j'ai d'ailleurs. Hein. Ouais, ben t'as, ouais, j'imagine bien, ouais. Parce que c'est vrai que là avec l'arrivée de la propague et tout, la M est vite saturée, ben la FM avec, et bien évidemment, il n'y a plus que la B élue, où là, et ben c'est à nouveau, là, à nouveau confortable, quoi. Ah ouais, bah enfin, c'est dommage, parce que si j'étais un petit peu mieux structuré, toi, c'est l'engin, moi, je suis pas pour ni contre, si je puis dire. Enfin, je verrais bien ces genres de systèmes un peu dans les sous-linfes. Bon, déjà, là, déjà, de leur côté, ils sont pas trop embêtés. Voilà, mais après, dans la portion des 40 canaux, bon, on reste tel que c'est, hein. C'est la CB, la découverte de la City Land, ce qui est la City Land. Où est-ce qu'on va quand on a une CB? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? L'évolution jusqu'à au statut de radio amateur. Voilà, hein. Alors, si maintenant, il y a ce genre de système sur les 40 canaux, le gamin, il arrive, il a une CB, j'entends des bruits bizarres. Entre guillemets, maintenant, il faut parler le russe et la robe, entre guillemets. Ah, mais c'est ça les joies de la radio, être multilingue. Bon, le russe, bon, la rame, bon, ouais, ça va, hein, on a vu ça à la télé, hein. Ouais, bon, là, on va peut-être pas trop déraper là-dessus, on est quand même en fréquence. H3 trois coups. Ouais, là, bah, enfin bon, après, l'anglais encore, ça va, je me dis pas tout bien, mais après le reste, non, je suis désolé, mais j'y arrive pas. Ouais, ben c'est vrai qu'on a tous nos facilités au niveau langue et tout. Moi, je me sens très bien dans le français, moi. Ben, pour tout dire, c'est vrai que les langues étrangères, quelles qu'elles soient, de toute façon, je fais pas de différence, j'en comprends aucune. La seule avec laquelle j'arrive à me dépatouiller, et encore des fois ça coince un peu, c'est le français, quoi. Attends, je parle des États-Unis. Ça signale. Alors attends, le truc, c'est que le bazar, là, ça dure quasiment toute la journée, vers les 15-16 heures. Et après, moi, j'entends, je pense que ce sont les Américains, là, les Américano-Canadiens, là, qui sont sur la côte est des États-Unis, hein, voire de la côte est du Canada. Eux, c'est pareil, quand ils se mettent à brailler comme des malades, là, c'est pas du 55, hein. Alors, 59, plus 10, plus 20. Bon, c'est pareil, on sent que, bon, ils s'expriment, hein. On les entend bien, même ici, hein. La Sibis, il fait pour s'exprimer. Ah, disons que en plus chez eux, la Sibis, c'est leur cours maternel. C'est dans leur mode de vie, dans leur entre guillemets leur religion, c'est leur cours maternel. Et là, on se rend bien compte parce que là-bas, il y a un canal qui est très connu, c'est le canal 6. Alors la journée, tu te mets sur le canal 6. Ouais, aïe. C'est une espèce de cacophonie, c'est horrible. Ah oui, tout à fait, moi ça m'arrive, hein, je m'arrête dessus, c'est cool, le canal 6, ouais. Et là, tu vois, ils ont pas la FM. Ce qui est étonnant, c'est que je les entends en AM, très bien, et ils font pas de la BE comme nous, eux ils font de la LR, enfin la BE, si ils font la BE, mais... ils sont souvent en LSB, quand là vers les 380 du monde, là vers les 405, là t'en chantes 3-4 là, qui se suivent, eux, et ils sont en LSB, tu les entends pas. Alors ce qui est étonnant, c'est que tu les entends pas en moustache quand tu es en mode LSB, par contre c'était bien en LSB. Par contre, nous en France, quand il y a quelqu'un qui est en LSB, ben, on se met sur la même QRG en mode USB, ben, tu l'entends cric-cric-cric, c'est étonnant quand même comme système. Hop, t'es parti là. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils ont? Bon, le matériel, ils ont du matos comme nous, hein, de l'RCI, du Ranger, là-bas c'est souvent la marque Ranger qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Après, ils ont tous les états métriques qui sont
avec les cyclistes sur le marché, quoi. Oui, et il y a une marque là qu'ils aiment assez bien, là, c'est les Unidem et Cobra. Alors là, ces deux-là sont, elles sont très répandues là-bas aussi. Hein. Quelle est la marque? Alors Unidem et la marque Cobra. Non, tiens, je ne connais pas. Ah, pourtant aux États-Unis, c'est leur marque préférée, hein. Aussi, ouais. Ouais, ouais, la marque Ranger aussi, hein, bah, évidemment. Hein. Ah ouais, d'accord, ouais. En gros, je me balade pas mal sur des sites, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme appareil, les nouvelles marques, peut-être que tu as cité, non, j'ai pas fait gaffe, mais beaucoup les Rangers, bien sûr, la marque Cobra, que tu avais d'autres, parce qu'il y en a d'autres, et après les anciens, c'est-à-dire ce qu'on appelle le vintage, la marque réalistique. Alors c'est marrant parce qu'il y a plein de postes, il y a plein de noms de postes que les Américains, si on parle des années 80, même un petit peu avant jusqu'à maintenant, il y a des marques qui n'ont jamais circulé en Europe, hein, réalistique un petit peu, mais après il y avait d'autres marques, entre je m'en rappelle plus, ils n'ont jamais vu le marché européen. Hein. Ouais, affirmatif. Par contre, je suis en train de regarder l'heure. J'étais en train de piquer du nez, je me demandais pourquoi. Oui, ben oui, c'est normal. 8h-25. J'étais au pro depuis 18h hier. Et tu vois, là, j'ai qu'une hâte, c'est d'aller au 144. Pourtant, j'aurais bien envie de continuer ce petit QSO, mais bon, chaque chose en son temps. Pour moi, là, il est temps d'aller dormir. Ok, donc, je vais te laisser. Bien dommage de ne pas pouvoir continuer, mais là, il faut vraiment que j'aille dormir. Alors, je vais te souhaiter une bonne journée. Très content de t'avoir eu en fréquence. Et à bientôt sur les ondes. Avec plaisir, ouais. Merci pour ce petit QSO FM, parce que j'ai rarement l'occasion de pouvoir moduler un FM. Donc un grand merci à toi, les bonnes 73, bonne journée, les 73 aussi aux autres stations là, qui t'accompagnent habituellement dans ton QSO. Bonne année, meilleurs vœux, bonne santé, plein d'argent dans les poches. Et tout ce qu'on peut souhaiter de meilleur. Allez, je coupe. Bonne journée. Au revoir. Bye bye. Merci beaucoup. À bientôt.